Swahili, Centre Boulelela en Chiluba, Centre Kedika en Kikongo et Centre Vérité en français, traduit la détermination du management de la CENI et de son personnel à organiser des élections dans le respect des principes de transparence et d'inclusivité et dont la proclamation des résultats provisoires se fait pour la première fois en plein jour. La cérémonie d'aujourd'hui n'est pas celle de la victoire d'un camp contre un autre, mais la victoire du peuple congolais qui s'est mobilisé le 20 décembre 2023 pour écrire une nouvelle page de sa propre histoire. Pour terminer, et comme le moment ne prête pas au long discours, je réitère les remerciements de l'Assemblée plénière de la CENI pour avoir répondu présent à son invitation et souhaite d'ores et déjà une bonne et heureuse année 2024 à vous-même et à vos familles respectives. Je vous remercie. Merci, Excellence, Madame le rapporteur de la CENI. J'invite très respectueusement le président de la CENI à prononcer son discours de circonstance. Merci, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, au nom des membres, des cadres et agents de la Commission électorale nationale indépendante, soyez une fois de plus le bienvenu au Centre Bosolo, notre centre des opérations et des résultats, qui abrite ce jour la cérémonie de publication des résultats provisoires de l'élection présidentielle conformément au calendrier de la CENI. Mais avant, j'aimerais revenir sur quelques aspects essentiels qui ont caractérisé le processus électoral. Sans avoir la prétention de m'ériger en donneur de leçons, j'aimerais rappeler que le succès d'une consultation électorale dépend non seulement du rôle de la CENI, mais de l'implication effective de toutes les parties prenantes. La CENI a, quant à elle, joué son rôle en mettant tout en œuvre pour faire de ces élections une compétition et un libre choix entre formations politiques et non pas un affrontement entre individus. Il apparaît donc essentiel de dédramatiser les élections en République démocratique du Congo, qui passent aussi par le respect des délais constitutionnels. Tirant les leçons des cycles précédents, la CENI a voulu des élections inclusives pour les candidats et surtout pour les électeurs. Elle déplore toutefois l'impossibilité pour nos chers compatriotes de Masisi, Rutshuru et de participer à ce scrutin. Nous leur promettons que nous sommes déjà prêts à les enrôler et à organiser les scrutins dans leurs entités et n'attendons plus que la restauration de la paix déployée. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, les élections du 20 décembre ont été de tous les records. Organisation des 4 scrutins simultanés, 44 millions d'électeurs enrôlés en 4 mois, 101 000 candidats à tous les niveaux qui ont battu campagne dans un climat apaisé. Évidemment, cela n'a pas été sans mal. Nous avons été ténaces. Nombreux ont été ceux qui ne croyaient pas que nous relèverons le défi d'un scrutin tenu à bonne date, dans les délais constitutionnels et conformément aux objectifs inscrits dans notre plan stratégique adopté en juin 2022, soit seulement 3 mois après l'installation de l'équipe dirigeante de la CENI. Si la quasi-totalité des acteurs politiques ont tous renoncé à boycotter les élections, c'est parce qu'ils ont en définitive confiance en la CENI. À elle seule, l'inclusion ne suffit pas pour évaluer la qualité d'un processus. Voilà pourquoi la CENI fait de la transparence une de ses valeurs majeures et l'a montré par l'intensité de sa communication avec les partis politiques, les candidats présidents, les organisations de la société civile,
les jeunes, les femmes, les partenaires internationaux et les médias. La phase de dépouillement du vote s'est déroulée dans la continuité depuis l'affichage des procès-verbaux des résultats dans chaque bureau de vote, en présence des témoins, des observateurs nationaux et internationaux et des médias, jusqu'à leur récapitulation territoire par territoire et publication électronique au centre Bossolo tout au long de ces 8 journées passées ensemble. Et conformément à la loi électorale, les résultats provisoires seront également publiés sur le site web de la CENI dans les heures qui viennent. Notre centre Bossolo, en français, Vérité, a été une grande première en RDC et en Afrique centrale. Ce centre des opérations des résultats a pour unique rôle d'assurer la vérité des urnes. Par ailleurs, certains candidats ont fait montre d'un incivisme scandaleux en recourant à des actes de vandalisme, d'intimidation, de corruption et de violence à l'endroit de certains de nos agents électoraux en vue de bourrer les urnes et de gagner. C'est donc ici l'occasion de féliciter la population congolaise pour sa vigilance qui a permis de contenir ces velléités. Pour sa part, la CENI s'est posé la question de savoir à qui profitait le crime. Et il apparaît que des candidats à la députation nationale ou provinciale soient principalement les auteurs et bénéficiaires de ces crimes. Les dispositifs électroniques de vote ont dévoilé les actes posés par ces candidats fraudeurs. Ainsi, nos experts ont pu déceler des anomalies qui vont faciliter le travail de la commission instituée par l'Assemblée plénière de la CENI. Et celle-ci va prendre des sanctions. Et celle-ci va prendre les sanctions qui s'imposent à l'encontre de ces candidats fraudeurs. Chers compatriotes, la CENI, sans fausse modestie, a pu parvenir à organiser des élections apaisées et dans la sérénité. La campagne électorale de 2023 n'a rien à envier à celle de 2006, 2011 ou encore de 2018. L'Internet n'a pas été coupé. Les Congolais ont continué à vaquer à leurs occupations dès le lendemain du jour de vote. Rien n'a été perturbé, ce qui peut être considéré comme un thermomètre pour mesurer le caractère paisible de ce processus. Je vais publier les résultats provisoires de l'élection présidentielle. Il y avait 26 candidats, un seul est élu. Les compétiteurs malheureux doivent accepter le jeu démocratique et en tirer les conséquences. Gardez à l'esprit que ce qui compte, bien plus qu'un poste électif, c'est l'existence et la stabilité de la République démocratique du Congo. N'agilisons donc pas notre pays et je m'en vais de ce pas lire la décision numéro 130-CENI-AP-2023 du 31 décembre 2023 portant publication des résultats provisoires de l'élection du président de la République du 20 décembre 2023. L'Assemblée plénière, vue telle que modifiée à ce jour, la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 70, 71, 72, 73 et 211, vu la loi organique numéro 10-013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13-012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21-012 du 2
et 5 et 23 noni alinéa 2. Vu la loi numéro 06/006 du 9 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, municipales et locales, telle que modifiée par la loi numéro 11/003 du 25 juin 2011, la loi numéro 15/001 du 12 février 2015, la loi numéro 17/013 du 24 décembre 2017 et la loi numéro 22/029 du 29 juin 2022, spécialement en ses articles 11 à 22 ter, 67 bis, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 et 114. Vu la loi numéro 23/025 du 15 juin provinciale, municipale et locale, vu de l'Assemblée nationale numéro 003/CAB/AN 21 du 16 octobre des membres de la Commission électorale nationale indépendante, vu les ordonnances numéro 21/084 du 22 octobre 2021 et numéro 20 Cour constitutionnelle à son arrêt numéro R-Const 1722/TSR du 1er mars 2022, vu la décision numéro 044/CENI/AP/2022 du 26 novembre 2022 portant publication du calendrier du processus électoral 2022-2027 relatif aux élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales, vu la décision numéro 103/CENI/AP/2023 du 1er septembre 2023 portant convocation de l'électorat et ouverture du bureau de réception et de traitement des candidatures pour l'élection du président de la République, vu la décision numéro 111/CENI/AP/2023 du 5 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des électeurs, vu la décision numéro 116/CENI/AP/2023 du 19 octobre 2023 portant publication de la liste provisoire des candidatures recevables et irrécevables à l'élection du président de la République, vu la décision numéro 119/CENI/AP/2023 du 3 novembre 2023 portant publication de la liste définitive des candidatures à l'élection du président de la République, considérant que la Commission électorale nationale indépendante est chargée d'assurer l'organisation et la régularité des processus électoraux et référendaires, conformément aux articles 211 de la Constitution du 18 février 2006 et 3 de sa loi organique numéro 10/013 du 28 juillet 2010 portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante, telle que modifiée et complétée par la loi numéro 13/012 du 19 avril 2013 et la loi organique numéro 21/012 du 3 juillet 2021, considérant que bon nombre de bureaux de vote et de dépouillement ont été régulièrement ouverts et fonctionnels le 20 décembre 2023 et qu'à la clôture de ces derniers, une importante affluence des électeurs s'est constatée dans la file d'attente, considérant que devant cette affluence, certains bureaux de vote et de dépouillement n'ont pas épuisé les opérations de vote et de dépouillement à l'issue du temps de vote imparti prévu par l'article 52 de la loi électorale. Considérant la nécessité de garantir l'égalité des droits des citoyens ainsi que la transparence, la crédibilité, l'intégrité et l'inclusivité du processus électoral court, la CENI a, par ses décisions numéro 128/CENI/AP/2023 du 20 décembre 2023 et numéro 129/CENI/AP
2023 du 21 décembre 2023 ordonner la poursuite des scrutins combinés du 20 décembre 2023 dans les centres de vote précités. Considérant que l'article 67 bis de la dite loi fait obligation à la CENI de prendre toutes les dispositions utiles pour transmettre de manière rapide et sécurisée les résultats électoraux à partir du lieu le plus proche possible des centres de vote afin de garantir la vérité des urnes. Que de ce fait, la CENI, à partir de 24 809 centres de vote, recueillit et traite les résultats issus de 64 196 bureaux de vote et de dépouillement sur les 75 478 prévus. Considérant que ces résultats recueillis auprès des 10 bureaux de vote et donc copies des procès-verbaux seront numérisés, codifiés et publiés sur les sites Internet de la CENI, donne plus de garanties de transparence et d'intégrité des scrutins combinés du 20 décembre 2023, présidentiel, législatif, national, provincial, ainsi que celui des conseillers communaux. Considérant que pour les mêmes raisons de transparence, les 10 procès-verbaux seront transmis par la CENI à la Cour constitutionnelle lors du traitement des contentieux des résultats, qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, il faut noter ici que nous avons soustrait de la liste du fichier électoral, nous avons soustrait les mineurs à l'horizon 2024. Donc je réponds qu'au regard de ces résultats, sur 41 738 628 d'électeurs attendus, 18 045 348 ont pris part au vote, soit un taux de participation de 43,23%. Que sur les 26 dossiers de candidature reçus à l'élection du président de la République, tous les candidats retenus ont concouru au suffrage. Après débat et délibération, décide article 1er, les résultats provisoires de l'élection du président de la République tenu en date du 20 décembre 2023 se présente comme suit. Candidat numéro 1, Rajabo Tebabo Soborabo de la liste de CUC, voix obtenue 70 149, soit 0,39%. Candidat numéro 2, Mutamba Tungunga Constant du parti DIPRO, avec voix obtenue 36 312, soit 0,2% ou 20%, 0,20%. Candidat numéro 3, Katumbi Chapwe Moïse, de la liste de Ensemble, voix obtenue 3 258 538, soit 18,08%. Candidat numéro 4, Sesanga Hipungu Dja Kaseng Kapitu, de la liste de Envol, qui a obtenu 17 838 voix et 0,10%. Candidat numéro 5, Anzuluni Isolekechi Floribert, candidat indépendant, ayant obtenu 13 750 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 6, Baende Etafe Eliko Jean-Claude, candidat indépendant, ayant obtenu 25 651 voix, soit 0,14%. Candidat numéro 7, Bola 6 326, soit 0,04%. Candidat numéro 8, Bousse Falaï Georges, candidat indépendant, ayant obtenu 5 313 voix, soit 0,03%. Candidat numéro 9, Ifoku Mputa Mpunga, candidate indépendante, avec 15 313 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 10, Kazadi Kandarex, candidat indépendant, avec 5 772 voix,
soit 0,03%. Candidat numéro 11, Kikuni Masudi, 7. Candidat indépendant avec 8639 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 12, Majon de Mwamba Patrice, candidat indépendant avec 15865 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 13, Massalou Anedou André, candidat indépendant, ayant reçu 14013 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 14, Moudekereza Bassimoua Justin, candidat indépendant, avec 7576 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 15, Mukwege Mukengere Denis, candidat indépendant, avec 39728 voix, soit 0,22%. Candidat numéro 16, Ngalassi Kourissini candidat indépendant, avec 37535 voix, soit 0,21%. Candidat numéro 17, Ngoi Il 4139 voix, soit 0,02%. Candidat numéro 18, Nkema Lilo Bokonzi Loli, candidat indépendant, avec 17061 voix, soit 0,09%. Candidat numéro 19, Chani K. Mwadianvita Noël, candidat indépendant, avec 9319 voix, soit 0,05%. Candidat numéro 20, Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, candidat indépendant, avec 13215366 voix. Soit 73,34%. Fayoulou Madidi Martin, Amouka Fayoulou, avec 960478, soit 5,33%. Candidat numéro 22, Matata Ponyo Mapon, de LGD, avec 14233 voix, soit 0,08%. Candidat numéro 23, Diongo Chamba Franck, du MLP, 6800 voix, soit 0,04%. Candidat numéro 24, Mozito Fumuchi Adolphe, du Nouvel Élan, avec 201066 voix, soit 1,12%. Candidat numéro 25, Bile Batali Joël, candidate indépendante, avec 6954 voix, soit 0,04%. Et enfin, candidat numéro 26, Ngila Enoch, indépendant, 5182 voix, soit 0,03%. Article 2. Est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Article 2, est élu à titre provisoire le candidat numéro 20, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo,
ayant 13 215 366 des suffrages valablement exprimés, soit un pourcentage de 73,34. Ayant dans ses attributions le déroulement du scrutin, la collecte des résultats, ainsi que le secrétaire exécutif national. Sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui entre en vigueur fait à Kinshasa. Le 31 décembre 2023, Denis Kadima Kazadi, président. Année à venir. Michel Moussemé Diawé, c'est confirmé, même si c'est provisoire, la CENI vient de l'annoncer. Félix Antoine Tshisekedi, le candidat numéro 20, vient d'être réélu.